Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de reprendre les vidéos, ça fait plaisir. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater derrière moi, on est sur un circuit de Croix-en-Ternois. Je suis avec mon pote Jim, un autre pote qui a décidé de s'extirper de la vidéo. J'arrive pas à faire ça, c'est pas grave, très overbooké. Donc aujourd'hui le projet, comme vous avez vu peut-être dans le titre de la vidéo, c'est de faire des tours de circuit. Je vais essayer de vous montrer un peu l'équipement que je vais mettre et tout, ça va être très cool à mon avis. C'est la première fois que je conduis un truc comme ça. Ils arrêtent pas de me chambrer parce que je conduis un peu en mode karting quand je suis dans la 208. Monsieur n'est plus overbooké. Non, c'est bon, je suis dispo. On est parti. Alors en gros, l'idée c'est de conduire une Porsche Cayman, je crois, pour celles et ceux... Le resto. Ouais, et ensuite resto, clairement. On n'est pas venu là pour enfiler les perles. Alors, je vais vous montrer un peu les caisses qu'il y a ici. Des Lambos, des Ferrari, des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est ça là. On est inquiet ou on n'est pas inquiet? J'ai fait là-bas. Moi, pas du tout, parce que moi, je conduis pas. D'accord, ok. Moi, ça va. Merci, bravo, super soutien, les potes. Pas mal ça. Ah, mais accueil, stage de pilotage, ça remène nulle part en fait. Pris au piège. Pris au piège. C'est la blanche que tu vas avoir. C'est fort possible. Oh les caisses. J'avoue, je commence à flipper un peu les gars en fait. Putain, je viens de remplir une attestation, un truc de présence ou je sais pas quoi. J'ai l'impression d'avoir signé mon arrêt de mort en fait. Oh là là. Ah là là, ça va être marrant. Oh là là, misère. Il y a quand même des ambulances au cas où si jamais je me pète la gueule, voilà. Faut se dire les choses telles qu'elles sont. Alors le petit ticket. Tac. Il y a des caisses, elles ont toutes les couleurs, on dirait des Teletubbies quoi. Eh ouais, mais on a du vert pomme, du orange. Des couleurs de carambar en fait, c'est ça le truc. Par contre, il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Comme la Subaru là en vrai. Et allez. Ça me rappelle un peu, tu sais, quand on était petit et qu'on avait des Hot Wheels. T'as connu ça, les Hot Wheels? C'était ça, mais en petit. Mais en petit. Et là, tu joues pas avec à la main, là. Titre. Voiture bien équilibrée, un bon moteur, bonne voiture. Bien équilibrée, peut-être alors plus que certaines autres voitures dans ce cas-là. Oh, oui. Ouais? Oui. Un moteur en centrale arrière, ce qui donne un équilibre de la voiture, une répartition des basses 50-50 avant arrière. Okay. Et puis dans la plupart des virages, va te permettre d'avoir une meilleure tenue de route. Ouais. Donc c'est une très bonne chose. Et tu travailles avec ton regard et tu vas regarder le plus loin possible pour que ton cerveau ait le temps de comprendre les informations que tu vois. Ton cerveau met 2 secondes pour analyser une info complexe. Si tu regardes le cône qui est là, au moment où tu le franchis, ton cerveau il pense pendant encore 2 secondes alors qu'il est derrière et que tu as une prochaine info qui arrive, tu ne peux plus traiter parce que tu es saturé là. D'accord. Donc ne regarde pas là, regarde déjà là, le prochain cône, etc. Et toujours un petit coup d'avance, c'est ça qui va te permettre d'anticiper tes actions et que ton cerveau ne soit jamais surpris. On est parti pour prendre un petit bain. Et tu baisses, t'as qu'à bien se tenir. Ah, je te plais comme ça, je suis sexy. C'est pas le mot que j'aurais employé. Alors, S. Ça, c'est M. On va tenter M. Je suis viril un peu ou pas? Ouais. À la guerre comme à la guerre. Oh la vache. Mais quel homme, quelle prestance. La préparation de Michael Schumacher. Ah, en vrai, je crois que je vais avoir besoin de ton aide. Ah, tu dois faire ça comme ça là? Ouais, ouais, c'est bon là. Eh, j'ai l'habitude hein. Ouais. On se retrouve avec Raphaël, Forg et Théo à bord de la Cayman pour 2 tours sur le circuit de Croix-en-Ternois. T'as déjà roulé sur circuit ou pas? Non, première fois. Pas de soucis. T'as déjà roulé avec des palettes? Sur la Play. Ok, bon, tu connais à peu près le concept quoi. Il y a plus ici, moi. Voilà, exactement. Quand tu passes un rapport, tu as juste exercé une simple pression vers toi. Quand tu rétrogrades, c'est pareil. Ok. On n'enlève pas son pied de l'accélérateur quand on passe un rapport. Donc on monte dans les tours, on a le pied sur l'accélérateur, on passe le rapport. Ok. Voilà. Quand on rétrograde, on l'effectue à la fin de son freinage, mais on peut quand même rétrograder avec le pied sur le frein, bien entendu. Plus on roule vite, plus on freine fort. Quand on roule vite, on freine fort. Et on relâche progressivement la pression sur la pédale de frein quand on arrive au point de freinage bien entendu. Okay. Ok. Au niveau de l'accélérateur, si jamais je suis dans un virage, ah ouais, c'est bien garé au milieu. Si
jamais je suis dans un virage, du coup, j'ai le volant braqué, filet de gaz, si je te dis d'en mettre un peu plus, on en met un peu plus, si je te dis d'en mettre un peu moins, on en met un peu moins. Okay. Je commence à sortir du virage, je débraque le volant, je remets les roues droites, je peux commencer à réaccélérer progressivement. Toujours la notion de progressivité avec l'accélérateur, hein, sachant que là il fait super moche, donc on fait attention. On est bien dans la voiture finalement. Voilà, exactement. C'est bon pour toi? Ouais, ouais, on va dire que c'est bon. Allez, ouais. Le pied sur le frein, les rétros sont réglés pour moi, donc t'as pas à t'en occuper. Ton rapport engagé, il est affiché juste là. Tu commences à braquer à fond le volant. Et quand tu vas relâcher le pied du frein, il va commencer à avancer. Bon là? Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai l'impression d'être loin, d'être loin du volant par rapport à l'habitude. Non, ça va. J'ai une légère pression. On avance, on passe pas les pieds. Voilà. Il passe pas les pointillés, la ralentit. Je vais regarder si il y a du monde qui arrive derrière. Okay. Vas-y, je vois personne, tu peux y aller. Bon, vas-y. J'imagine que les flots, ils pourraient les passer pointillés. Voilà, exactement. Il commence à réaccélérer.
l'Huracan. C'est pas quelque chose qu'on me dit tous les jours, ça, on va se mettre devant l'Huracan. Et stop. Avance encore un petit peu. Et stop. Parfait. Impeccable. On est avec Raphaël Fort et Théo à bord de la Caïman pour deux tours sur le circuit de Franc-Ternois. Ça va, ça a été ? Nickel. Et bah, impeccable. Une réaction à chaud ? Putain, ça fait bader en vrai. Quand t'accélères, tu commences à avoir la boule au ventre, ça fait flipper en vrai. T'as kiffé ? Ouais, j'ai kiffé, ouais. Yeah. Mais c'est cool parce qu'il donne beaucoup de consignes en fait. Bah oui, c'est sûr. Par contre, j'ai pas l'habitude d'enlever des casques en fait. Ok, faudrait peut-être que j'arrête la prise de masse. Oh, j'ai flippé, mais tellement. Bon, j'ai un camarade qui s'est chauffé. Alors là. Démonte-moi, bonhomme. C'est quoi tes ressentis là? Tu flippes, t'es excité? Moi, je suis excité là, je vais lui demander de conduire comme jamais. Je pense qu'ils ont mis la Ferrari juste pour prendre des photos en fait. C'est le Instagram box. On va essayer de filmer Jim quand même. Ah, le spot il est là. Parce que le mec c'est un pilote pro. Dans 2 secondes et demie il y est, ça y est. Je suis encore en train de trembler moi. Ah ouais, on voit pas mal la ligne droite. Ok, d'accord. Forcément le ciel bleu il arrive après que je sois passé évidemment. Ah mais elle est déjà là ? J'espère que t'es en train de t'éclater mon pote. Allez, double, double, double. On va essayer d'aller récolter les avis à chaud. Et nous récolter les graines de ce qu'on a semé. Il est là mon héros. Alors ? On est pareil. Tu conduis pareil, t'as kiffé ou pas ? Ouais, la bombe, c'est cool. En vrai on a. On a essayé de prendre des vidéos de là-haut là, mais c'est pas facile, on voit pas forcément. Bah moi j'ai filmé tout le long. T'as filmé tout le long ? Tout le long je l'ai. Trop cool ça ? Vraiment vraiment stylé. La vraie question maintenant c'est qu'est-ce qu'on va manger ? Quand on parle de bouffe, il faut pas me chauffer moi. Le spot Instagram le plus convoité du Nord. Vous voulez une photo tous les deux ou pas ? Ah bah si c'est possible. Ouais. Allez, on vous prend en photo. On rigole pas avec ces choses-là par contre. Hein. Et après ça, on bouffe. Et après ça, à la bouffe. Quel photographe de renom. Merci beaucoup. Ta-da-da-dam. Donc là, ouais, c'est mon véhicule de loisir. Je l'utilise le week-end. Comme vous pouvez voir, il y a encore les plastiques. Hein, il est encore neuf. J'ai acheté il y a peu. En fait, c'est inconsommable. C'est comme le jeu de fruits. Tu changes tous les week-ends. 10 euros action. J'ai fait une affaire. Le petit logo sympathique là. Il est vainqueur d'une course où il a concouru tout seul. Le Mister France, Nord-Pas-de-Calais. Jimmy. Merci. T'as pas un grand public là. Si, si, ils sont au moins deux. Non, il y a quelques personnes qui sont parties chercher des frites là. Quelques pélos, ils sont partis bouffer. C'est ça. L'entrée était là, mon ami. Entre les stars ici, désolé. Ah, autant pour moi. On va aller voir ce que ça raconte. Je vais éviter de conduire comme sur le circuit. Ouais. À moins que vous vouliez clamser tout de suite. La petite, elle a la bonne puissance sous le pied. C'est ça. En fait, j'ai fait changer le moteur entre deux. Elle a pris le moteur de la Porsche. Bon, et après l'effort, le réconfort. N'est-ce pas ? Mmh. On est là. Bon appétit, les gourmands. Moi ouais, franchement ça va, je m'attendais à plus gros, donc ça va. Ouais ça va. Ouais. Tu vas réussir à terminer un truc pareil là ou... J'ai jamais sous-estimé quelqu'un. Ouais, ridicule le tir à côté. Hein. Ah d'accord, super, merci. T'as voulu s'y arriver mais c'est pareil. Toi avec ton Welsh là, il va roupiller tout l'après-midi après avoir bouffé un truc pareil. On change pas une équipe qui gagne. Exactement. Léger pour le moment. Bon, et bien voilà, c'est une fin de journée, une fin de tournage même. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment-là avec deux très très bons amis à moi, des personnes qui me sont vraiment chères. Je profite de cette fin de vidéo pour remercier du coup Tanguy, Raph, Jim et Théa pour ce très très beau cadeau, ces tours en Porsche, dont j'ai bien profité. Vous avez vu dans la vidéo que j'étais un peu stressé, mais bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, ça me fait aussi plaisir de revenir sur YouTube, ça fait longtemps. J'ai envie de démocratiser le sport, j'ai envie de rendre le sport accessible à tous, j'ai envie de rendre le sport fun, cool, j'ai envie de montrer que le sport c'est pas une contrainte mais un plaisir.
Donc moi, je me fais une joie de reprendre les vidéos, ces petits reportages. Ça va être des formats assez différents, je pense. Je pense que je vais varier, je pense que je vais tester. Je vais aussi vous embarquer dans mon univers, avec mon sourire, avec mon énergie, et avec toute la valeur et tout l'amour que je peux vous apporter. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée, si vous voyez cette vidéo un soir. Et on se retrouve très bientôt, très très bientôt sur YouTube, avec plein de bons contenus, je l'espère. J'espère que vous allez kiffer et profiter tout autant que moi, je profiterai pour faire ces vidéos. Je vous embrasse, à bientôt.